DJ Stéphane. Balamwange. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo e koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Balamwange. Oh yeah yeah. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le monde des écoliers. Alors, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Il y a une école qui a l'habitude de passer, mais aujourd'hui, ils vont encore se faire démarquer avec de bonnes nouvelles et de bonnes choses qu'ils nous ont apportées. Alors, sur ce plateau, je suis avec moi, le promoteur de l'école lycée Marie-France, qui est accompagné avec ses élèves, qui vous allez aussi découvrir l'un après l'autre. Bonjour, monsieur le promoteur. Bonjour, madame Sarah. Comment ça va? Dieu fait grâce, ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Déjà, ta santé montre que tout va bien. Ah, et on est là, comme tu dis, Dieu fait grâce. La grâce de Dieu qui nous prend tous à la hauteur pour être ce qu'on est aujourd'hui. Oui, je les vois. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi des bonnes nouvelles que vous nous apportez aujourd'hui? Oui, d'abord, madame, les bonnes nouvelles, c'est d'abord les enfants que vous voyez, que nous avons amenés devant vous. C'est pour montrer au monde le travail que nous sommes en train de faire dans ce pays. D'abord, un, c'est déformer. Et ceci entre dans le programme d'accompagner les chefs de l'État, ok, dans le domaine d'éducation. Parce que vous savez vous-même que les gens disent il n'y a pas la bonne formation, l'éducation au Congo, ça ne marche pas. Mais du moins, nous avons cette conscience-là de nous dire c'est une goutte d'eau dans l'eau et une goutte d'eau dans l'océan, mais ça peut commencer quelque part. Alors, nous avons amené avec vous et avec nous les élèves, comme vous le voyez, bien formé. D'ailleurs, je me disais, parce que j'avais oublié de vous demander si vous pouvez tourner une émission en anglais avec pour faire voir au monde. Mais malheureusement, down, je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est pour dire que nous sommes venus montrer ce que nous faisons pour le Congo dans le domaine d'éducation et étant manager et présenter au monde la capacité là d'intellectuel que nous avons. Ok, alors ça c'est vraiment une très bonne chose, je le vois. On peut savoir où se situe le lycée Marie-France? Très bien, oui, je voudrais que l'adresse là soit donnée par les élèves, mais je peux dire. Lycée Marie-France est dans la commune de Selembao. Mais si je dis Selembao, les gens voient Selembao de prison, Makala là-bas. Non, nous nous sommes Selembao de Mongafula. Ah, ok. Vous prenez Avenue Bypass. Vous allez là, quand vous quittez le rond-point, il y a l'arrêt qu'on appelle l'arrêt Munongo. Et sur l'arrêt Munongo, à 6 avenues, vous allez voir notre école, lycée Marie-France, école internationale bilingue. Et si vous venez de l'IPEN, vous dépassez Cité Verte, Liolo, arrêt Munongo, et puis vous entrez au lycée Marie-France. Oh, ça c'est vraiment une bonne chose. Je ne manquerai pas de faire un tour là-bas. Oui, il faut venir. D'ailleurs, moi je préfère qu'une fois tu viens, tu fais les messages avec les enfants comme ça. C'est très bien. Et tu seras bien accueilli. Alors, en quoi est constitué le lycée Marie-France? Notre particularité, c'est ça ce que tu me demandes? Ouais, ouais, votre particularité. Ok, très bien. La particularité est que, madame, moi je fais un constat. Je l'ai toujours dit à ce micro que. Vous voyez, madame, quand vous arrivez seulement à l'aéroport de Ndjilifi. Ouais. Dès qu'on ferme les portes de l'avion, et les Français, et nos langues congolaises restent là. C'est l'anglais qui commence. Si pas l'anglais, c'est les dialectes de ces pays-là.
swahili pour ceux qui vont à Kenya et ceci et cela. Alors je me suis dit, en notre âge ici, madame, moi je suis allé à Cali, hein? Oh, j'ai fait 2 ans là-bas, mais je l'ai fait. Mais la tête est surchargée. Mais c'est quand l'enfant est encore à l'âge qu'il est, qu'il peut bien apprendre une nouvelle langue, l'assimiler, et ça doit l'aider. Parce que le monde maintenant là, c'est l'anglais. J'interpelle les parents comme ça. Vous allez voir même dans quelque chose fabriqué ici à Kingabwa, même papier mouchoir qu'on fabrique à Kingabwa ici. Tu vois, on n'est qu'en anglais, made in Kingabwa. Vous voyez? Oui. Pour faire voir l'importance de l'anglais. Et c'est ça notre première particularité sur l'anglais. Et l'anglais, c'est de la maternelle. C'est ainsi qu'au lycée Marie-France, dans chaque classe, il y a 2 enseignants. Il y a l'enseignant qui s'occupe des cours normaux, des programmes. Mais nous avons maintenant la dame d'anglais qui est en train de faire son travail pour compléter un plus sur ça. Et dans les plans d'ailleurs, ce qu'ils sont en train de penser, étant promoteur de cette école-là, c'est que je voudrais que l'année prochaine, à maternelle, qu'il n'y ait que l'anglais. Vous voyez? Oui. Qu'il n'y ait que l'anglais. Et puis, comme nous avons maintenant la 50-50, et ça doit continuer jusqu'aux humanités. En dehors de l'anglais, nous mettons l'accent sur... Nous avons le système de clubs, là. Hein, vous voyez? Nous poussons les enfants. Je vous donne un exemple. Nous avons maintenant les élèves ici à la télévision, OK? Pour faire une émission. Vous voyez leur âge qu'ils ont là. Paradoxe peut avoir peut-être, je ne sais pas, 5 ans. Je ne sais pas. Pourquoi pas avoir, je ne sais pas, 7 ans. Comme... Nous voulons déjà que les enfants commencent à découvrir les choses, qu'ils voient que c'est impossible là. Moi, j'approche ça auprès des enfants. Et cela peut leur donner même l'envie un jour de comprendre, ah bon, je peux devenir aussi journaliste. Vous voyez? Ça veut dire que nous avons même des cultures générales. Et pour des options autres, on fait l'effort à ce que les matériels soient complets, qu'il y ait des labos. Donc, c'est au moins ça. Donc, vous voulez me faire croire que non, ces enfants sont capables de s'exprimer en anglais? Madame, ne fais pas les rêves, tu vas pleurer là. non, mais je n'y crois pas. Mais dis ça là, essaye un peu là. Bon, je ne connais pas grand-chose en anglais, mais je vais essayer pour voir s'ils sont vraiment capables de pouvoir s'exprimer en anglais. Oui, commencez là, tu vas commencer là. Ramassez-les là, tu vas les ramasser là. Et ils vont te ramasser. D'accord, on mais va faut voir. Mais faut pas fuir, hein. Hein? Ah, je ne sais pas. On va voir, on va les découvrir ensemble. Essayez. Avec vous. Oui. Mais je voudrais mieux. Chers enfants, ça va? Ça va bien. Très bien. Il faut les pâter, hein. Madame Luc de vous, hein. Hein? Il faut bien parler. Je voudrais que se présente chacun. Et je veux que vous vous présentez en anglais. Alors, si tu connais quelque chose en anglais, tu les accompagnes maintenant là. Tu demandes tout ce que tu veux demander. Leur nom, leurs habitations, leur classe. Ce que tu peux demander. Même, je ne sais pas si tu peux commencer par où. Vous avez. Je vous laisse le temps de faire ton travail. Merci beaucoup et je vais voir ça s'ils sont vraiment capables de pouvoir s'exprimer. Mais ils sont là, madame, en face de vous. Voilà. Good morning, my friend. Good morning, Mrs. How are you? I'm fine, thanks, and you? Yes, I'm fine. What is your name? My name is Neta. I live at Selemba Township. Ngafani, we are Kimfula Street, 27 bis. I am Congolese of DRC. I study at Lycée Marie-France School. And you? I live at Selemba Township, Cité Vertiria, Bypass Street, Ofrin. I am Congolese of DRC too. Thanks. Yeah. C'est excellent ça. Excellent, non mais continue madame. Good morning, my friend. Good morning, miss. How are you? I'm fine, thanks, and you? Yes, I'm fine. Where are you studying? My name is Tanga. Where are you studying? I study at Lycée Marie-France School. Hello, dear. Hello. How are you? I'm fine, thanks, and you? I'm fine. What is your name? My name is Tetengonde. What is your name? My name is Sarah. Thanks. Hello, hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Yes, I'm fine. What is your name?
My name is Bélan Bélan Paradox. Ah, ok, Paradox, c'est ça. Ah, très bien. Je suis classe. Oui, ok, très bien. Hello. How are you? I'm fine, thanks. And you? Yes, I'm fine. What is your name? My name is Belombe Bokali Sharon. Where are you live? I live at Selemba Otanshin. Oh. Hello. How are you? I'm fine, and you? Yes, I'm fine. What is your name? My name is Bukaka Jose Josana. What is your name? My name is Sierra Ngumina. Where are you study? I study. Lycée Marie-France School. Nice to meet you. Yes, meet you too. Hello. Hello. How are you? I'm fine, and you? Yes, I'm fine. What is your name? My name is Njunje Kalubwela Billy. Where are you study? I study at Lycée Marie-France School. Thanks, alright. Hello, friend. Hello, sister. Hello, Mrs. How are you? I'm fine, test, and you? Yes, I'm fine. What is your name? My name is Kabo Mokatenda. Where are you study? I study at Lycée Marie-France School. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thanks. The next. Good morning. Good morning, Mrs. How are you? I'm fine, and you? Yes, I'm fine. What is your name? My name is Asen Demoseka Miradi. Where are you study? I study at Lycée Marie-France School. Where are you live? I live at Selemba Utanshi, Ngafani area, Kipaku Street 151. Thanks. The next. Hello. Hello, Mrs. How are you? I'm fine, thanks. And you? Yes, I'm fine. What is your name? My name is Kadia Ngituka Exose. Where are you live? I live Selemba Utanshi. Et c'est le mot tension. All right, thanks. Good morning. Good morning, miss. How are you? I'm fine, Tess. And you? Yes, I'm fine. What is your name? My name is Mavinga Malomba Lorenzo. And you? My name is Sarah. Where are you study? I study at Lycée Marie-France School. Thanks. Nice to meet you, Lorenzo. Nice to meet you too. Oh, je vois ça. Next. Présenté. Oui. Qui ne s'est pas présenté? Ah, tout le monde a parlé? Oui. Ah, très bien. Bon, madame, je ne sais pas si vous voyez comment. Mais j'aimerais bien, ok, avant qu'on arrive à une étape, tu peux choisir au choix, hein, pour que ces enfants fassent même une conversation entre eux. Tu peux choisir le thème que tu veux. Si tu veux qu'on te parle de quoi, et tu choisis et après, si tu par exemple au choix là, puis ils vont s'exprimer et j'aimerais mieux que le monde découvre ça. Hein? Parce que vous voyez déjà à cet âge, arriver à faire une conversation seule, et c'est ça ce qu'on appelle le merveille de lycée Marie-France. Okay, l'école internationale bilingue. Je vais découvrir ça, si c'est vraiment vrai ce que vous venez de dire. Non, mais tu as déjà vu. Vous savez, si, madame. Je vais voir s'ils sont capables même de pouvoir chanter une chanson en anglais, converser. Ils peuvent prier en anglais. C'est ça que j'ai dit, que là, vous avez le terrain. Mais vous savez, je voulais dire une chose. Dans ces pays ici, nous, on devait être primés pour le travail qu'on a là. Mais seulement au Congo, c'est quand tu es mort là que les gens vont reconnaître ce que tu fais là. Tu vois, ce que nous transformons chez ces enfants, mais ce n'est pas facile. Mais Dieu seul va nous récompenser. Et on le fait pour le pays. Et comme on accompagne aussi les chefs de l'État, on n'a pas le choix. Alors, je ne sais pas, fais si une prière, une chanson, conversation. Choisis au choix, ils sont là et puis peuvent s'exprimer très bien. D'accord, je vais voir ça. Oui. Mon ami, tu viens. Parce que... je vais prendre avec elle. Voilà. Alors, vous reculez un peu là. Ok? Reculez d'abord. Reculez. Voilà, laissez la place. Hein. Vous pouvez reculer encore un peu. Oui. J'ai dit reculez. Quand on dit reculez, ça veut dire
Voilà. Venez même au milieu. Venez au milieu comme ça. Vous avancez comme ça. Voilà. Très bien. Good morning, my French. Good morning, my French. Parlez à haute voix, comme vous voyez. Et puis parle à ton my French, tu le regardes. Regardez ton my French. Voilà. Good morning, my French. Good morning, my French. How are you today? I'm fine, thanks. And you? Yes, I'm fine. Please, can you introduce yourself? My name is Nelta. I live at Selemba Township, Gafani area, Kimvula Street, 27 bis. I am Congolese of DRC. I study at Lycée Marie-France School. And you? My name is Belombe. I live at Selemba Township, Gafani area, Lusanga Street, 20. I am Congolese of DRC. I study at Lycée Marie-France School. Nice to meet you. Nice to meet you too. Please, can you sing this song with me? Yes, I can, show me. God is so good, oh yes, God is so good. God is so good, oh yes, God is so good. I will sing your name, I will bless your name, I will praise your name, I will clap your name. Oh my love, oh my love, let's go. God is so good, oh yes, God is so good. God is so good, oh yes, God is so good. I will sing your name, I will bless your name, I will praise your name, I will clap your name. Oh my life, oh my life. God is so good, oh yes, God is so good. God is so good, oh yes, God is so good. I will sing your name, I will bless your name, I will praise your name, I will clap your name. Oh my life, oh my life. Goodbye. On encourage les amis, waouh, c'est une très belle chanson ça. Là c'était Belombe. Belombe, t'es en quelle classe? Belombe, là, Belombe, t'es en quelle classe toi? Je suis en quatrième année primaire. En quatrième année primaire. Est-ce que tu peux dire quatrième année primaire en anglais? Fourth class, yeah. Et l'ami, le nom c'est? Your name c'est? Toba. Toba, oui, quelle classe? Fourth class. Ah, toujours quatrième. Quatrième. Ah, pour dire aux profanes, non. Pour nos amis qui sont là-bas, les Yanko, les là, peut-être, ouais, ça passe comme ça. Madame, tu peux choisir d'autres? Ou bien tu veux que moi je choisisse? Non, c'est pas grave, je veux pas. Mais j'aimerais qu'elle puisse m'apprendre cette chanson. C'est vraiment une très bonne. Ah oui, ils sont prêts. Hein. Faut monter le laisser Marie-France, on va t'apprendre ça. Mais moi, lycée Marie-France, je ne peux plus mettre l'uniforme. Non, vous venez en robe. Vous venez en robe, en pantalon, il n'y a pas de problème. Oui. D'accord, je vais faire un tour. Je prends mon ami qui est là. Oui. Avec qui? Celui-là. C'est... Madame, tu ne connais pas le nom de... Ils sont présentés ici. Il faut les appeler par les noms. Par les prénoms, c'est bien. Moi, je vais les appeler par les prénoms. Communique ton nom, ton prénom à madame. Je dois vous appeler. My name is Asende. Yeah. Asende. My name is Junji. Junji. Yeah. Asende et Junji. Voilà. All right. Good morning, my friends. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. And you? Yes, I'm fine. Please introduce yourself. My name is Asende. I live at Selemba Township, Ngafani area, Kipaku Street 51. I am Congolese of DRC. I study at Lycée Marie-France School. And you? My name is Njunji. I live in Selemba Township, Ngafani area, Salongo 23. I am Congolese of DRC. I study at Lycée Marie-France School. And Epito, nice to meet you. Nice to meet you too. How much past have a human body? The human body have three parts. They are the head, the jaw, and the members. Tell me five parts of the members. The arms, the hand, the feet, the knee, and the buttocks. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Ah,
Ok, c'est bien. On encourage les amis, on encourage les amis. Est-ce que vous suivez ce qu'ils disent? Je vais t'expliquer. Bon, on avance, on peut prendre qui? On peut prendre cet ami. Good morning, my friend. Good morning, my friend. How are you? I'm fine, thanks. And you? Yes, I'm fine. Please introduce yourself. My name is Kadianga. I live at Selemba Township, Ngafani area, Kipaku Street. Now I am Congolese of DRC. I study at Lycée Marie France School. And you? My name is Mavinga. I live at Selemba Township, Kalunga area, Kikosi Street. Free. I am Congolese of DRC. I study at Lycée Marie France. Nice to meet you. Nice to meet you. Please, conjugate the verb to be in participle tense. Yes, I can. I was, you were, he was, she was, it was, you were, they were. Can you tell me the part of the human body? Yes, I can. The nose, the mouth, teeth, tongue, lips, nose, shoulder. Goodbye. Bye, I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Voilà, très bien. Hello, my friend. How are you today? I'm fine, that's Andrew. Yes, I'm fine. Please, introduce yourself. My name is Kabongo Katenda. I live at Selemba Otanshi, Ngafani area, Armée Street. I am Congolese of BRC. I study at Lycée Marie France School. And you? My name is Tanga. I live at Selemba Township, Ngafani area, Lusanga Street, 27 bis. I am Congolese of DRC. I study at Lycée Marie France School. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can you tell me the days of a week? Yes, I can. A week heaven 7 are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Can you tell me the food you know? Yes, I can. Fish, salt fish, smoked fish, cake, spaghetti. Bye. Bye. I'll see you tomorrow. Bye. Paradox. Va parler. Voilà. Paradox. Vas-tu dire là? Good morning. Good morning. My name is Bayon Bella Pardo. I study at Lycée Marie France School. Together we are FMED. My mother, brother, sister, my father and me together we are FMED. My mother, brother, sister, my father and me together we go. My family that mess to mess down to the that we dress in ancestor. Très bien, encouragez, encouragez. Ah, ouais, 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 santé. C'est moi, je peux demander aux parents qui nous regardent. Ils savent que, tu vois, comme paradoxe, c'est bientôt 5 ans. Hein, tu vois, devant la caméra, devant le micro, on les regarde par-ci, par-là, pas les techniciens. Vous voyez comment ça se fait. Mais quand même, vous voyez que le travail est là. Hein, vous voyez. Qui encore hein? Qui ne sont pas passés. Et deux, voilà. Ok, c'est ça mes amis, les deuxièmes primaires. Hein? C'est ça non? Voilà. Money. How are you today? I fight Tester and you. What is your name? My name is Luke Tengonde. And what is your name? My name is Bukaka Jose Jose. And I count the number. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bye. Bye. Ok, très bien. Je revenais comme vous étiez avant. Et donc c'est pour dire que ça, ces élèves, nous les ramassons, ils viennent de gauche, hein, à droite, mais c'est dans moins de 3 mois, parce que nous avons commencé
la rentrée scolaire en septembre. Mais nous sommes au début décembre. Mais vous voyez que ces enfants sont capables de retenir, de comprendre et d'interpréter. Je ne sais pas si vous me suivez, madame. Très bien. La nabi, c'est la montée, ma madame. Il ne faut pas dire que non. Oh, mais ces choses ici, peut-être, on les a montrées. Tous les parents qui nous regardent, des fois, ils vont au cours d'anglais, là. Des fois, ils trichent. Mais tu vois qu'ils sont devant la caméra. Le monde entier les regarde. Parce que avec la chaîne Tango et Koki, c'est partout au monde. Hein? Okay. Vous verrez même combien. Les gens qui ont de l'amour. Moi, je demande aux gens qui ont de l'amour, qui ont regardé ces enfants, d'encourager cette œuvre. C'est une œuvre vraiment humaine, qui ne manque pas d'imperfection, mais nous travaillons pour perfectionner ça. Et on y arrivera. Hein? Parce que je vous informe que lycée Marie-France, maintenant 7 ans. Oh, 7 vraiment? Ans. Ah oui, 7 ans. Et je pense que quand on aura 10 ans, on va faire une grande fête. La plus grande fête, on aura 10 ans. Là, je serai invité. Non. Alors, comment ça, non? Mais l'invitation ne force pas, madame. Hein? Non, mais vous savez que vous êtes des trop pour Marie-France. Et tout le travail que vous faites, tu vas prendre les images de mes élèves, les transmettre au monde entier, c'est pas facile. Donc, déjà, vous et Tango Koki, vous êtes déjà des invités de première classe. Hein, de première classe. Alors, ce que je peux aussi demander aux parents qui nous regardent, ce n'est pas tard. Hein? Ouais. Ça, il faut dire aux parents là, ce n'est pas tard. Nous rejoindre au lycée Marie-France, c'est pour la bonne formation des enfants. Aujourd'hui, le chef de l'État a eu le courage d'annoncer la gratuité. Mais son prédécesseur n'avait pas laissé des infrastructures pour l'exécution. Tu vois, aujourd'hui, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, il construit, il met gratuité, il construit, il met gratuité. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écoles, mais si les parents peuvent se choisir de bonnes écoles, lycée Marie-France est compté. Et ma lutte comme promoteur de lycée Marie-France, c'est ce que mon école soit compté parmi des grandes écoles, les bonnes écoles pour la ville de Kinshasa. Et ça sera compté comme ça. Ça, c'est une bonne chose en tout cas. Et très bien, je madame. Vois vraiment le travail est bien fait là-bas. On travaille. Tout ça, c'est... Vous savez, nous travaillons seuls. Nous travaillons seuls. Même payer les enseignants, c'est toujours l'école et les parents. Hein? C'est ainsi que je félicite tous les parents qui nous ont fait confiance de nous confier leurs enfants. Le parent qui se soucie pour venir payer les minerval à temps, les parents qui obéissent aussi à nos caprices, et tout ce qu'on fait, c'est pour la bonne éducation des enfants. Parce que chez nous, nous avons une éducation sérieuse, une éducation intégrale, et nous avons de l'obéissance chrétienne. Nous sommes des chrétiens. Donc, si chez nous, tu es Bouddha, tu es musulman, tu viens, première des choses, il faut suivre notre religion qui est chrétienne. De deux, lycée Marie-France encourage toutes les personnes vulnérables. J'ai pensé amener les personnes vulnérables ici. J'ai un enfant qui a commencé chez nous là, depuis maternelle jusqu'à aujourd'hui. Donc, les handicapés, les albinos, les orphelins, confirmé, au lycée Marie-France, ils étudient gratuitement. Donc, nous nous accompagnons la gratuité de l'enseignement. Parce que les gens peuvent dire, mais comment là-bas, et on paye les minerval? Non, mais tous les orphelins, les personnes vulnérables, j'ai cité ici, les albinos, les handicapés, ces gens-là étudient chez nous gratuitement. Vous voyez? Ouais, tout ça, c'est pour encourager certains parents qui voient un enfant, il est handicapé, il dit « Ah non, non !» Mais aujourd'hui, nous voyons la ministre qui s'occupe des handicapés, Madame Essambo. Il est handicapé, mais il est ministre aujourd'hui. C'est ce que moi, j'encourage aussi tous les enfants vulnérables.
pour qu'ils étudient. J'ai déjà deux qui ont même le diplôme d'État. Mais là, les familles, ils étaient rejetées, laissées comme ça. Donc, tout ça, nous le faisons pour que la gratuité annoncée par le chef ait lieu. Et si les parents payent, c'est pour nous permettre à payer les enseignants. Alors ça, c'est une chose à trouver nulle part ailleurs qu'au lycée Marie-France School. Nous vous invitons, chers parents, à pouvoir envoyer vos enfants au lycée Marie-France School pour bénéficier de l'éducation et de l'enseignement qui se donne au lycée Marie-France School. Oui, bon, si je peux dire dernier mot. Hein? Ouais. Est-ce que Kadiang est où? Ah, ok. Tu connais l'adresse de votre école? Oui. Tu peux donner, dis en français, pas en anglais, parce que mon nom, où se trouve le lycée Marie-France? Le lycée Marie-France se trouve sur Lusanga numéro 27 bus. Nous vous invitons de venir inscrire vos enfants sur l'école lycée Marie-France, école internationale. Très bien. C'est l'éducation. Okay, très bien. Très bien. Comment ça vient? Voilà, ça c'est mon travail. C'est pas un problème. Mais depuis quand? C'est quatrième année au lycée Marie-France. Pardon? C'est ta quatrième année de vie Marie-France. C'est ma troisième année. La troisième année. Pourquoi toujours tu aimes étudier au lycée Marie-France? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? J'aime étudier au lycée Marie-France parce qu'il y a des enseignants là qui sont bien qualifiés pour nous faire enseigner, okay. qui nous font enseigner avec sérieuxité, qui notre école, le lycée Marie-France aussi, a une éducation, comment? Sérieuse, il a aussi une éducation. Ah, vous trouvez que c'est sérieuse, là, l'éducation? Oui, parce que moi, je suis venue au lycée Marie-France, je ne savais pas écrire, je ne savais pas aussi lire. Mais grâce aux enseignants du lycée Marie-France, aujourd'hui, je suis comptée parmi les élèves intelligents de l'école du lycée Marie-France. Très bien. Donc, vous avez suivi que ce qu'on fait, hein? Si elle dit ça, notre particularité que nous avons chez nous, madame. Vous savez, madame, nous, quand on étudie, hein, parce qu'à l'époque, nous, moi, c'est à l'époque des Jean-Père. Hein? Toi, tu n'étais pas encore été mère, tu étais encore bébé là. Vous voyez, nous, on étudie avec l'ardoise. Quand on dit écrivez A, l'ardoise avait des lignes calligraphiques. C'est-à-dire, tu vois, maître ou madame, il prend ma main pour m'écrire A. Ou bien, on nous demande d'écrire la calligraphie là. Donc, j'ai mis l'accent sur la calligraphie. C'est ainsi qu'au lycée Marie-France, tous les jours impairs, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi, à l'école primaire, on commence le cours de 7h30 à 14h30. Le deuxième goal là, qu'est-ce que je fais? C'est pour former les enfants à la calligraphie. Vous voyez? Parce que ce qui fait l'éducation, c'est ce que l'enfant doit savoir lire et écrire. Il y a des parents qui aiment que les enfants fassent 100%. Non, mais s'ils ne savent pas lire, ma lutte est qu'un enfant, avant de terminer deuxième primaire, il doit savoir bien écrire et bien lire. C'est ainsi que même en dehors de l'anglais, nous avons aussi des langues congolaises. Ok? Ok. L'enfant doit être capable de lire une Bible qui Congo. À Chiluba aussi. En Swahili. Il y en a. Si vous avez une Bible à Chiluba ici, mettez ici. Vous allez voir comment Belombe va lire une Bible à Chiluba ici. Non, mais je vous dis ça. C'est pour dire que tout ça, on le fait pour le bien du Congo. Et nous demandons à ce que les gens aiment ce qu'on fait là. Donc, en dehors de la calligraphie, nous groupons nos enfants. Sinon, il faut programmer notre émission où on viendra pour parler de lycée Marie-France. Hein? Oui. Sinon, les enfants, je vous dis merci. Parlez très bien. Je vous dis merci. Merci. Voilà. Tu as vu, paradoxe. Il a dit, non, promoteur, je vais aller au sujet. En maternelle. Mais il parle anglais. Mais il y a de vieux là qui sait qu'il a grossé. Nous disons merci à vous, madame.
de nous avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui. Encore un week-end. Hein? Vous voyez, c'est ça. Et puis, je dis merci au DG Mbalamang et Stéphane, qui souvent nous accompagne dans cette lourde tâche. Je ne sais pas oublier nos amis qui sont là-bas. Hein? Sur la machine qui lit. Vraiment, vous avez notre gratitude et reconnaissance aussi. Sinon, merci au monde entier. Et bye. Faisons bye au monde. Faisons bye. DJ Stéphane, Balamwangé, Congo ya Lumumba, Congo, la fachi béton, tangwe koki yo yo yo, tangwa ngoya ngoyo ye koki, tolanda kango, papa Stéphane, Balamwangé, oh yeah yeah.